Ok, donc mon nom est Johan Kongolo, j'habite Lausanne, je représente la Suisse. Et samedi, je vais affronter pour la troisième fois Cédric Doumbé. Ce sera pour le titre Welterweight de la division du Glory. Et comment j'appréhende ce combat? J'ai pas d'appréhension particulière, je suis prêt, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour. Et voilà, c'est juste comme on dit, on a une expression chez nous qui dit jamais 203. Donc voilà, il y a tout qui a été mis en place pour ça, j'ai travaillé dur pour cette préparation, que ce soit contre lui ou. Pour tous les combats que je fais, j'aime bien travailler dur. Et c'est comme ça que je fais, voilà. J'ai mon équipe qui me suit, j'ai les gens qui sont derrière moi, qui sont là. Et voilà, donc j'ai toutes les confiances, toute ma confiance, j'ai entièrement confiance en ce combat. Et je vais avoir beaucoup de monde qui va venir me suivre, beaucoup de gens qui sont déjà arrivés aujourd'hui, beaucoup de gens qui vont me suivre depuis ma ville. Et voilà, c'est que du soutien en plus. Je sais que j'ai ma famille qui sera là aussi. Beaucoup de gens qui croient en moi, beaucoup de gens qui veulent me voir gagner ce combat. Et j'ai envie de montrer au monde entier que voilà, tout est possible. J'ai travaillé dur pour arriver ici, j'ai fait plus que 3 tournois au Glory. Donc aujourd'hui, c'est juste l'heure en fait. Donc je suis pressé d'arriver à samedi soir, pressé de remettre les pendules à l'heure en fait. Et voilà, quoi. Ensuite, remporter ce qui m'est dû. Donc voilà, comme je disais la dernière fois, ok, il est champion, il a gagné. Il est censé être champion du Glory. Mais confirme que t'es vraiment champion du Glory, mon ami. Confirme. Je t'ai battu 2 fois. D'accord? Ok, je t'ai botté le cul 2 fois. Une fois chez toi dans ton pays, une fois dans le mien. Aujourd'hui, demain, on sera en territoire neutre. Mais voilà, c'est pas un souci pour moi. Voilà, je suis prêt. Je pars à l'intérieur du ring, pas à l'extérieur et tout. Donc, t'es juste une grosse blague, mon pote. Après ça, j'espère vraiment que tu sais ce qui va se réaliser. Si tu perds samedi, t'as tout à perdre, mon pote. T'as tout à perdre. Moi, personnellement, dans ma tête, je suis loin. Je suis plus loin qu'ici. J'ai d'autres choses. J'ai plein de choses. Par contre, toi, mon pote, tu vas perdre ta ceinture samedi. Samedi, je te le dis bien, je te regarde. Tu vas perdre ta ceinture samedi. Tu sais d'où je viens, tu sais ce que j'ai fait, tu sais par où je suis passé. Tu sais qui est derrière moi, mon pote. Ok? Alors, vas-y, viens, on va leur montrer. Viens, on va faire le job. Fais le job, vas-y. Viens, samedi, tu seras en face de moi. Montre à tout le monde, vas-y. Viens. Viens, on se rentre dedans. Vas-y, mon pote. Viens. Hein, cherche pas à courir, cherche pas à utiliser tes tactiques bizarres et tout, parce que même si tu cours, je vais te botter le cul encore pire. Donc viens, mon pote, je vais être un cauchemar pour toi. Je sais que tu penses à moi tout le temps, je sais que tu dors mal. Hein, je sais que tout ton entourage, ils sont tous focalisés sur moi. Hein, tu vas chercher les forces loin, mon pote. Moi aussi, je vais les chercher loin, mes forces. Hein, tu sais ce qui va se passer samedi, mec, je vais te faire très très mal. Cédric, je vais te faire mal. Je vais te faire mal. Ok? D'accord? Il y a un seul truc, tu peux parler, dire toutes tes conneries, dire tout ce que tu veux et tout, ça me touche rien, ça me touche pas du tout. D'accord? Par contre, tu oses me traiter d'ordure, moi, que je suis des restes de Nicky et Grand Art. Ok, mon pote, je vais te montrer samedi c'est qui les restes. D'accord? Parce que toi, t'inquiète pas, j'ai aussi mon esprit, mon pote. Je vais monter sur le ring et il y a tout qui sera avec moi. Il y a des trucs noirs qui vont se passer. Tu sais de quoi je parle quand je parle de ça. Il y a des trucs noirs qui vont se passer, mon pote. Donc samedi, on sera toi et moi. Viens, leur montre. Viens, leur montre. Viens. On leur montre ce que c'est deux Renois, deux Africains qui ont faim. T'as du sang africain, moi aussi, mon pote. Viens. On fait ce qu'on a à faire. Viens. Après ça, on a 5 rounds en plus. 5. Pas 3 rounds, 5 rounds. 5 rounds, c'est lent. 5 rounds, c'est lent, mon pote. Et viens, on se rentre dedans, on donne tout ce qu'on a donné. La première fois que je t'ai affronté, tu te rappelles ce que tu me disais quand tu m'écrivais le soir sur mon téléphone à l'hôtel? Tu étais comme ça, tu stressais? T'étais pas à l'aise, non? Hein, tu savais pas où t'étais? T'étais pas à l'aise à Lille, tu te rappelles? Hein, tu me demandais, oh, viens, on fait pas de sparring, demain on fait un gros spectacle. Je t'ai dit, ok, mon pote, on y va. Les messages, ils sont toujours là. Ils s'en lassent jamais. Alors, c'est ton style, non? C'est pas mon style d'écrire des messages aux gens, mais c'est ton style à toi, Cédric. Alors, viens samedi, viens mon pote. Samedi, on leur montre c'est quoi un vrai fight. On pense pas à ceinture, pense pas à si. Viens, tu fais ton cash, je fais aussi mon cash, quoi qu'il arrive, n'est-ce pas? Si t'as bien négocié ton contrat aussi. Mais alors, viens, on oublie ceinture, on oublie si ça, vient toi, mais on se rentre dedans. On fait ce qu'on a à faire, on règle nos comptes, comme deux hommes qui se tapent. Pas deux hommes qui courent et qui font ci et ça. Alors, tu te rappelles à l'époque, tu m'avais dit, viens, on fait pas du sparring, hein, on se rentre dedans. Alors, moi, j'étais prêt à rentrer dedans. Sur tous les combats que j'ai fait au Glory, je suis toujours rentré dans la gueule de mes gars, tout le temps, tout le temps. Alors, viens samedi, on leur montre. C'est quoi, deux gars qui ont faim, qui se tapent? Alors, tu seras avec tes potes, non? Tes potes de Belgique, tes potes de je sais pas d'où. Moi aussi, je serai avec mes gars, moi. Il y a tous mes gars qui seront là aussi samedi. Hein, si tu observes bien, tu verras qu'il y en a quelques-uns de gens qui sont à l'hôtel. Beaucoup de monde qui vont être là. Beaucoup, beaucoup de monde, mon pote. Samedi, on déchaîne les enfers, mon pote. Yes.